Effectivement, le mois du Ramadan, c'est un tremplin. Le mois du Ramadan, si tu veux, c'est comme si nous, en fait, on était des avions. On a besoin de kérosène. On met le plein pendant le mois. Si on met le plein, on peut voler, hein, planer dans la foi pendant une année jusqu'au Ramadan d'après. Mais si on ne met pas le plein, ben, 2 mois, on plane et après, hop, c'est la cassure. Et on voit des gens, même qui, après le Ramadan, alors qu'ils s'étaient bien accrochés, ben, 2 mois après, ils se retrouvent dans des soirées, pub, danse, etc., etc., fornication et des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas acceptées dans notre religion. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de mettre le plein pendant le mois de Ramadan. De mettre le plein, de se ressourcer à fond, et toutes les conditions sont réunies pour que la personne s'améliore spirituellement.